Mais la chose la plus intéressante est le niveau de personnalisation, ou plutôt l'ajustement possible du système DocMate. Oui, parce que cette télécommande n'est pas seulement une série de boutons marche-arrêt regroupés. Elle prétend être une extension de la volonté du commandant de manœuvrer. Maintenant, je vais expliquer cela plus en détail avec le logiciel DocControl 2 qui est géré lors de l'installation avec un PC. La télécommande peut être ajustée au millimètre près, en fonction de la main du capitaine, par exemple, la sensibilité et la largeur des différentes commandes directionnelles du joystick. La sensibilité et la largeur des différentes commandes directionnelles du joystick peuvent être modifiées afin de faciliter les plus couramment utilisées ou réduire la possibilité d'erreur pendant la manœuvre. Pour moi, il est extrêmement important de passer immédiatement de marche avant en marche arrière, car un bateau qui approche de la jetée atteint sa vitesse maximale sur l'axe longitudinal, et donc je dois être prêt à décélérer.